Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. Aujourd'hui, je vais parler du logement au Canada. Il neige dehors. On est en avril. Donc moi, ça fait 2 ans que j'habite au Canada maintenant. Donc j'ai fait la coloc, j'ai fait toute seule. Donc je connais à peu près ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Parce qu'au final, le Canada, c'est quand même vachement différent de la France. Enfin, bon, en France, j'habite chez mes parents, mais je connais quand même un peu le système. Donc il faut savoir qu'au Canada, quand on cherche un appart, il ne s'est pas écrit T1, F1, F2, des trucs comme ça. Il n'y a pas écrit le nombre de mètres carrés, c'est écrit 1,5, 2,5, 3,5. Donc en fait, ça correspond au nombre de pièces plus la salle de bain. Donc 1,5, c'est la salle de bain, et puis bah, 1, 2, 3, c'est le nombre de pièces. Donc si vous avez un 3,5, bah, vous avez 3 pièces plus une salle de bain. Donc moi j'ai un 3,5, donc j'ai un salon, une cuisine, une chambre. Et bah, la salle de bain, 1,5, ça, donc du coup c'est un studio, mais du coup pour tout ce qui est disposition de l'appart, c'est un peu plus dur de savoir comment c'est fait, faut vraiment aller sur place et voir, mais enfin, surtout pour les 2,5 en fait. Même pour la superficie, en soi un 3,5 ça peut être très grand comme ça peut être très petit, un 1,5 on se dit ok c'est un studio, ça va faire genre 10 mètres carrés, mais il y en a qui font peut-être 25 mètres carrés, donc moi je trouve que le système n'est pas pratique, mais bref. Pour ce qui est du loyer, c'est moins cher qu'à Paris en tout cas. Donc dans le reste de la France, moi j'habite à Paris, donc dans le reste de la France, je suis pas trop au courant, mais c'est moins cher, ça c'est sûr. Par exemple, donc moi j'ai l'équivalent d'un 45 mètres carrés ici, c'est 550 $ par mois, donc ça fait 400 €, un truc comme ça. Enfin, je l'écrirai ici. Ottawa, c'est plus cher que Montréal, ça reste quand même super abordable. Québec, Montréal, c'est la même chose. Je crois que Toronto est un peu plus cher, mais je suis pas sûre. Mais grosso modo, c'est quand même à peu près la même chose. Quand on se met tout seul, forcément, c'est plus cher. Mais en coloc, en tout cas, Montréal, on peut s'en sortir par personne pour 350-450 $ par mois, mais très facilement, quoi. Donc moi j'ai fait la coloc, et là j'habite toute seule, donc j'ai fait les deux. L'année dernière j'ai été étudiante en échange à Ottawa, je conseille grave de faire une coloc. Enfin même étudiante en échange, en étant étudiant en échange en général, je conseille vraiment de faire une coloc, c'est vraiment là qu'on rencontre des gens. Au moins on n'est pas tout seul, surtout quand on est dans une ville qu'on connaît pas. Donc moi Montréal je connaissais pas au début, mais comme j'entrais en master, je savais que j'allais rencontrer des gens, et comme j'avais déjà fait la coloc avant, bah du coup je préférais être toute seule cette année. Mais la coloc en tout cas, pour être en échange, moi c'est ce que je conseille vraiment pas d'être tout seul. Alors pour trouver son appart au Canada, il y a plusieurs manières. En fait ils ont pas trop de sites de recherche d'appartements ou de coloc. Eux ils font tout par leur eBay local en gros, qui s'appelle Kijiji. Moi je trouvais ça un peu bizarre parce que clairement réserver un appart sur Kijiji, enfin en gros sur eBay, moi ça me semblait un peu chelou quoi. Mais bon, moi j'ai trouvé mon appart actuel sur Kijiji, c'est très bien passé, il n'y a pas eu de problème. Sinon il y a beaucoup de groupes Facebook, ça se fait surtout sur ça. Moi je quitte mon appart dans un mois et j'ai trouvé la future locataire par Facebook. Je vous listerai les noms des groupes, en tout cas pour Montréal, parce que Ottawa, j'ai pas eu besoin de passer par ça, mais ça se fait hyper facilement. Moi, mon appart, il est parti en 2 jours. Il n'y a pas de problème, en fait, pour trouver... Il y a tellement d'annonces, en fait, tous les jours, et puis il y a tellement de groupes Facebook, que ce soit pour des colocations, pour des apparts seuls, pour des sous-locations, pour des sessions de bail, pour les gens qui sont en PVT, enfin... C'est pas la pénurie, quoi. Pour ce qui est d'Ottawa, moi en fait j'avais repris l'appartement d'une fille de ma fac en France qui était partie à Ottawa l'année d'avant, comme ça c'était plus pratique. Mais il y a pas mal de gens qui passent par un site qui s'appelle Rent a Place. Donc Rent a Place c'est quoi? C'est un site web où en fait on s'inscrit dessus à une session par jour en fait. Les gens qui gèrent le site viennent te chercher en espèce de minivan. Et tu fais le tour des apparts de la ville, si on a un qui te convient, bah tu signes le contrat, c'est bien, et tu verses 40 $ à Rent a Place. Si tu trouves rien pendant la journée, bah en gros c'est gratuit, donc moi je trouve ça plutôt pas mal, au moins t'es sûr de rencontrer les gens. Et j'avais conseillé le site à des amis qui étaient en échange à Ottawa cette année, ils ont trouvé direct, ils se sont fait une bande de potes, voilà.
Donc moi j'ai pas eu besoin de recourir à ça, mais je connais pas mal de gens qui sont passés par système et en tout cas ils ont jamais été déçus, ils ont rencontré plein de gens par rapport à ça. Au final c'est toi qui choisis ton appart parce qu'on t'en propose plusieurs, donc au bout d'un moment c'est sûr que c'est un peu premier arrivé, premier servi, mais bon, au final c'est quand même toi qui choisis, moi je trouve que le système est plutôt pas mal. Et encore une fois, comme c'est pour des étudiants, tu choisis le temps où tu vas rester. Parce que si tu es étudiant en échange que pour un semestre, donc 4 mois, tu peux. Si tu restes pour 2 semestres, 8 mois, tu peux aussi. Et je crois que pour un an, tu peux, mais je suis pas sûre. Donc dans tous les cas, tu as vraiment une flexibilité avec ce site. Je trouve que c'est plutôt cool. C'est vrai que à Montréal, des apparts pour 4 mois, je pense que c'est un peu plus dur à trouver. Moi, je savais que j'étais là pour un an directement, donc c'est sûr que j'ai pas eu besoin. Mais du coup, ça m'amène à parler de la session de bail. Quand tu restes 4 mois, par exemple, à Montréal, et que tu as signé ton bail pour 8 mois, c'est sûr qu'il y a un moment, tu peux pas continuer à payer 4 mois si t'es plus là. Du coup, ce qui se fait vachement ici, c'est la session de bail. En fait, tu as juste besoin de retrouver quelqu'un, tu lui fais signer un papier comme quoi tu lui cèdes ton bail, c'est ce que ça veut dire. Et puis, ça se fait hyper naturellement. Les propriétaires sont vraiment très ouverts là-dessus. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que j'ai fait pour mon appartement. Là, je fais une session de bail et le propriétaire était totalement d'accord. C'est juste un papier à faire signer, un papier de la régie du logement du Québec qui se trouve en ligne. Enfin, en fait, ils sont hyper flexibles ici et moi, je trouve ça génial. Et du coup, pour louer un appart ici, moi, j'ai jamais eu besoin de donner de dossier de garant ou quoi que ce soit. Donc, c'est vrai qu'au début, ça fait un peu bizarre parce que tu te dis, bon, le gars, il a pas besoin de preuves. Ok. En fait, ici, tout le monde se fait confiance, c'est-à-dire que les locataires font confiance au propriétaire et le propriétaire fait confiance au locataire. Donc, généralement, ils ne demandent jamais de dossier de garant. Parfois, évidemment, si le futur locataire propose, il ne va pas dire non, c'est sûr. Mais moi, sur mon appart l'année dernière et celui que j'ai aujourd'hui, on ne m'a jamais demandé. Donc, je trouve ça plutôt pas mal. Souvent, ce qu'ils demandent, c'est la preuve du dernier bail de logement pour voir quand ton bail se termine, pour être sûr que tu n'es pas de. Que t'aies pas deux contrats qui se chevauchent en fait, mais sinon enfin, ils ont jamais demandé de papier, ils sont très ouverts et très confiants. Forcément, c'est sûr que ça facilite un peu les choses pour trouver un appart, surtout quand on est étudiant étranger en fait, parce que c'est pas forcément les mêmes législations, donc on sait pas trop à quoi s'attendre. Y a quand même des trucs à pas faire, ça c'est sûr. Donc le premier truc à pas faire, mais ça je le conseille mais pas du tout. Et pour l'avoir fait, vraiment, je le conseille pas. C'est de trouver son appart et de commencer à louer sur internet sans jamais l'avoir visité. On s'est retrouvé avec un propriétaire qui, nous considérant comme les petites françaises qui connaissent rien à la vie au Canada, s'est dit qu'il allait nous entuber jusqu'au bout. Je rentrerai pas dans les détails, mais en gros, il a bien voulu nous entuber. Donc, du coup, moi, j'ai. Enfin, mes collègues étaient repartis en France, moi je suis restée un an, donc du coup j'ai déménagé en début d'année, mais ne réservez pas votre appart sur internet avant d'y être. Visitez toujours. Si vous avez quelqu'un sur place qui peut visiter à votre place, mais faites-le, parce que moi je ne l'ai pas fait. Et pour cet appart ici à Montréal, je ne le regrette pas du tout, parce qu'au final je suis tombée sur un très bon appart, c'était juste l'ancienne locataire qui était un peu timbrée. Mais pour Ottawa, j'aurais vraiment dû le faire, parce que je l'ai bien regretté, beaucoup. Et le deuxième truc à pas faire, ça c'est spécifiquement pour le Québec, c'est de verser une caution à ton propriétaire quand tu signes ton contrat. C'est-à-dire que en fait c'est illégal au Québec de verser ton dernier mois de loyer en guise de caution. En Ontario on peut te le demander, enfin moi on me l'avait demandé à Ottawa, mais au Québec c'est illégal. Donc c'est juste un truc à savoir, c'est plus pour les étudiants en échange je pense, parce que quand tu arrives pour une durée assez longue, quand tu fais vraiment tes études. Au Canada, en général, tu te renseignes un peu plus ou tu es peut-être déjà habitué. Mais c'est vrai que quand tu es en échange, tu es là pour 4 mois. Donc si c'est pour te faire entuber un mois de loyer, voilà. Là, je pense que j'ai tout dit sur comment se loger au Canada quand on est étudiant. Si tu as des questions, tu peux me les poser. Il n'y a pas de problème, je vais y répondre. Puis voilà. Donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!